aujourd'hui, je vous propose une petite sortie. Je suis pas tout seul, je suis venu avec Olivier. Et voilà Olivier, Rex Detex. Rex Detex. Faut pas que je bafouille, mais bon, c'est Rex Detex. C'est lui. C'est trop tard, t'as bafouillé. Il dit qu'il faut pas que je le montre trop, alors je le montre bien. Donc voilà, on a été faire une petite sortie, on a roulé trois quarts d'heure, il m'emmène à trois quarts d'heure de chez moi. Bon, du coup, il ne reste plus beaucoup de temps pour détecter parce qu'il y a encore le retour après. Mais en tout cas, le décor est splendide. Je sais pas où il m'emmène, mais au fin fond du trou du cul du monde. On y est, c'est là. Il n'y a personne, il n'y a pas un bruit. Et on n'a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. J'espère qu'on ne va pas tomber en panne parce que même si on avait du réseau, le temps qu'on explique à quelqu'un où on est, eh ben, on n'est pas rentré. Bon, en attendant, on va essayer de trouver quelque chose dedans parce que franchement, c'est magnifique. Et puis, essaye de ne pas te perdre pour une fois. Ouais, je ne dis pas me perdre, mais je crois que j'ai gagné un sifflet au Detecland. Je l'ai dans mon sac, au pire, je sifflerai. Allez, je vous reprends, à tout de suite, bye. Ah, un son pour lui. Bon, moi, mon premier son, tout de suite, là, à l'instant. Et il est perdu. Il est là, voilà. Donc, en fait, c'est un gros clou. Voilà. Donc, on va continuer, on vient juste d'arriver. En tout cas, c'est super joli, les couleurs, tout. Il y a un petit les traces qui vont dans le bois là. Olivier là aussi, l'autorisation, mais est-ce qu'il y a c'est la chasse? Bon là on n'entend pas de chasseur, rien, mais bon on va pas les faire chier. On a la prairie pour nous donc on va faire la prairie. Alors, Olivier de loin me dit ah j'y ai cru. Alors qu'est-ce que c'est? Ah je retourne l'appareil. Et là. Bon c'est pas ce que c'est quoi ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Poubelle. Ouais c'est ça, en fait, ouais, il a résumé le truc, c'est poubelle. Olivier, un super son, je creuse, plus de son. C'est pas croyable. Je retourne ma pelle, bing, il est collé dedans. C'est juste là. Et c'est une boucle. Une belle petite boucle. Je fais doucement au cas où il y a encore le truc dessus. Ouais, une belle petite boucle, je ferai une photo nettoyée. En tout cas, elle est bien verte, Olivier. Hein. Je vais faire gueuler un peu, Olivier. Olivier, Deus 1, Gareth 0. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a faim à fond du trou du cul du monde. Et là, tout d'un coup, bah quoi? Un bout d'alu. Il y en a partout, ces saloperies. Bon, voilà. On est parti de la voiture, à peu près à côté de l'arbre. Là, j'ai fait la première boucle. Après, on est venu. Là, j'ai fait un bout de fer à cheval, bout de ferraille, bout d'alu. Donc là, je me suis dit, allez, je monte l'ascension. Là, je suis tout en haut. Et enfin, presque tout en haut, je suis là. Et là, ting, un son. Et bien, encore une boucle. Là, voilà. Belle petite boucle entière. Donc, peut-être un champ à boucle, on verra bien. Bon, allez, je continue. Et bah, allez, bah là, je suis avec Olivier qui se cache. Il est là, voilà, il est là. Donc, ça fait trois quarts d'heure qu'on est là. Donc, on va déjà vous montrer Merdouille en premier. Alors pour moi, bah voilà, des bouts de ferraille, des boulons du début, de l'alu, un bout de fer à cheval, un petit bout, des bouts de ferraille, voilà. Et Olivier, lui, c'est pas les gros trucs là, c'est tout ce qu'il y a en dessous là. Ça, un gros boulon, des boulons, une cartouche, voilà. Et, t'as rien fait d'autre toi? T'as pas de travail? Attends, bouge pas. Alors ouais, pour moi, bah deux boucles. Tiens là l'autre, la petite brune. Ouais, que de carpe, puis elle est complète. Donc voilà, deux boucles. En fait, ce qu'on a fait, on est parti d'ici. On a fait ça, tac, ici j'ai trouvé la première boucle. Je suis parti de haut, le ferraille. Je suis remonté tout en haut là-haut. Ben, j'ai fait presque en haut la deuxième boucle. Et après je suis revenu comme ça. Et Olivier lui est revenu comme ça. Donc maintenant on va essayer un petit coup de l'autre côté. Du côté qui surplombe le village. Donc on va voir. Allez, on continue, bye bye. Alors là, je suis en plein courant d'air, je suis sûr qu'il va y avoir du vent. Tant pis, ma foi. Voilà, c'est ici. Alors là, très dur à identifier, mais après coup, quand j'ai trouvé ça, et qu'il manque le dessus, je me dis, bah c'est le bout de ça.
On pourrait courir une pièce, mais c'est pas ça. Enfin, ce que je vais faire, je vais demander à Olivier de me l'identifier. Oh, oh, oh. J'y vais. Et toi? Du blanc. Et toi, t'as un truc? Ouais, du blanc. Du blanc, c'est quoi toi? Un bout de cartouche. Et moi? Eh ben... Un bout de cartouche aussi. Ah oui, ah, t'es trop fort en fait. Oh merde, ça marche pas. Oh merde. On est con avec nos blagues à deux balles. On va pas faire un lapin de 6 semaines là. Bah ouais, dans le monde des détectoristes, on a l'humour plein. On se fait la même blague en même temps, c'est quand même con. Hein. Ouais, je pensais que j'aurais, mais en fait non. Bah voilà. Il est malin, c'est lui. Bah j'étais content de moi, je pensais que je lui ferais une bonne blague. Bah voilà, 50 cm à côté de ma fausse joie. Toi un petit truc comme ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est creux derrière. C'est une capsula. Tu crois que c'est une capsula ça? Ou une attache de mission. Voilà. Mon trou était juste là, donc ça fait vraiment pas loin. Je me suis dit encore une cartouche, bah non. Bon bah là on a emprunté ce petit chemin là, dans la prairie. Elle est bouche sur un petit couloir comme ça, c'est super. Bon, bon, pourquoi pas. Tout ce coin-là, alu fondu, oh, plein de merde. Olivier a fait une boucle. Et moi, tout de suite, bah, une boucle encore. C'est ma troisième aujourd'hui. Hop. Et là, voilà la première pièce de la sortie. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'elle a sonné à 97. 97, pourtant, nous, c'est la faille. 97 sur les deux détecteurs, autant sur le Deus que sur Garrett 300i. 400i. 400, excuse-moi, je t'en laisse 100. Ouais. C'est comme les centimètres. Hein. Bon, bah voilà. On sait pas trop ce que c'est. Bah, ils nous font une belle photo. Moi, j'ai l'impression que c'est une Revo, mais je sais pas. Une Revo, normalement, 92, pas 97, c'est bizarre. Bah, bravo, Olivier, je te montre plus ta tête. Tu veux plus que je te montre, mais. C'est lui. Bravo Olivier, première pièce. Alors voilà nos petites trouvailles pour Olivier. Alors là je m'approche hein, parce qu'il fait déjà sombre. Une boucle, si on peut appeler ça une boucle militaire. Une pièce qu'on ne sait encore pas ce que c'est, mais là elle sonnait très très fort à 97. Un petit bouton. Ça on pense que c'est une 2 centimes Revo. Et un dé à coude, enfin ce qui reste d'un dé à coude. Bon, Olivier, franchement, c'est pas mal. Après, à moi, alors là, un petit truc comme ça, je sais pas ce que c'est. Une belle boucle magnifique. Une deuxième belle boucle magnifique. Et une troisième boucle, bon, bah, un peu scinté, mais voilà, il manque un truc. Ah, t'as pas fait de pièce, toi? C'est vrai, j'ai pas fait de pièce parce que j'ai préféré lui laisser parce que le départ était pas fructueux pour lui. Mais hop, et nous voilà. Voilà, Olivier, donc là, derrière, il commence à faire tout gris et on rentre parce qu'il est 5h et commence à faire son. À mon avis, dans 2 minutes, il neige. Voilà, donc c'était notre sortie de 2h, 2h30 hein, quand même là. On est sorti de 2h. Bon, notre sortie de 2h. Bon, bah, de toute façon, il faut tester. Hein, et voilà, on reviendra quand même. Allez, je vous dis à très vite et à bientôt avec mon drone. Je vais te préparer d'ici là. Ciao.